le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Je vous dirai tout à l'heure, c'est qu'on appelle tête là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sur la tête? Les oreilles, la bouche, les yeux, les narines, les nez, les doigts. What does it mean? C'est pour ça qu'il est important que la tête soit petite. It's important to carve. Quand David a tué, when David killed, il a tranché la tête de Goliath. He carved the ear of Goliath. Lisez le passage. Read the passage. Il a envoyé la tête à Jérusalem. The hand in Jerusalem. Alléluia. Je vais vous expliquer ça ce matin. I'll explain to you this morning. Vous rentrez ce matin en possession de votre héritage. Amen. Get back. J'ai envoyé des actions prophétiques. Je vais vous donner à faire. I brought some prophetic actions that you have to do. Pour que les choses tombent autour de vous. La sorcellerie doit tomber. Vous devez confesser que votre Dieu est puissant. Amen. Your God is powerful. Amen. Amen. Avant la parole, before God's word, nous allons passer au témoignage. Let's hear the testimonies. On va acclamer le Seigneur. Devient quelqu'un pour lui venir à l'aide et le et non détruire son avenir. Pendant longtemps, je vivais dans l'ignorance. Ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai fait un parcours sans échec à l'école. Jusqu'à j'ai obtenu mon bac, j'ai passé au lycée moderne de Poitiers. Par la grâce de Dieu, j'ai été orienté à l'université à Abuja-Djamé, qui est devenue aujourd'hui l'université Nankia-Abuja. M'a orienté précisément dans la faculté qu'on appelle SFA, c'est-à-dire sciences fondamentales et appliquées. C'est là que mes problèmes ont commencé. Parce que quelqu'un qui était brillant, j'ai mon bac avec ma soeur. J'ai fait le test de l'INPHP de Yamsoukou, ça n'a pas marché. C'est là qu'on m'a conduit en SFA. Et la première année, c'était un peu. Bon, j'ai commencé à fréquenter des gens. Et moi-même, je ne savais pas bon, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans ma vie, mais en tout cas, on s'est croisés.
Au lieu qu'on s'unisse pour bosser, se promener sur la voie. Commencez à traquer les jeunes filles maintenant. Parce qu'on se croyait l'ignore le plus dangereux. Parce que c'est comme ça, moi, je peux dire en cet homme. Bon, souvent, quand je suis à l'entrée, même lors des concours, c'est comme si une fois qu'il me parlait, il me disait, mais tu fais quoi? Sors. Bon, qu'est-ce que tu apprends de bon? Jusqu'à bon. Souvent, je brisais à cette voix. Souvent, quand je pense, je regarde en arrière mes parents qui sont paysans au village. Je fais de ma fille à Abidjan, je vivais avec mon grand frère, je regarde. Bon, toutes ces choses, je ne pouvais pas abandonner si facilement. Mais je forçais, j'essayais de forcer les choses jusqu'en année de licence. Mais là, c'était dangereux. En année de licence, ça n'allait plus. Jusqu'à même m'arrivait souvent, des idées me venaient à la tête. Mais si tu parlais de Dieu, mais tu fais. Tu joues quel rôle, mais est-ce que tu as cherché la servitude? Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse voir qui est à la source. Le Seigneur fortifie mon grand frère qui est en Suède, parce que c'est par son bien qu'aujourd'hui j'ai pu. C'est par son bien qu'aujourd'hui j'ai pu voir d'où venait toutes ces souffrances que j'endurais. Parce que j'ai une grande soeur qui dormait, un grand bâton, elle se réveille, elle s'est avancée. Et ma mère, mon grand-père, a fait parvenir de la guerre. Elle dormait, elle s'est réveillée. Et mon grand-père a fait parvenir de l'argent à ma grand-soeur pour que ma mère l'amène à Thibaut sur le prophète. Monsieur Joël, bonsoir. Et quand ils sont venus, dès qu'elle est arrivée ici, par la grâce de Dieu, elle a retrouvé la vie. Et ça va maintenant chez elle. Oui, ça va chez elle. Ça va lui partir la vie. Je crois bien le dimanche lors que le prophète a été appelé par moi. Bon, j'ai vu la vidéo. Mais bon, ah madame, vous êtes venu ici, vous me fatiguez. Bon. Je vous ai cherché. Voilà. Donc j'ai vu la vidéo. Bon, en tout cas, à ce moment, je ne croyais pas pour la chasse des rires. Bon. Donc mon grand frère a insisté à ce que ma mère revienne ici, à Thibaut, pour voir ce qui n'allait pas. Et quand elle est arrivée, ma petite soeur, le matin, m'appelle, elle me dit, ah, c'est Jean, rends-toi à Thibaut, que maman a eu à révéler des choses sur toi, que donc on veut que tu sois là. Bon, je sais que certaines personnes ont été témoins de certaines choses ici. Quand je suis arrivé, hélas, ma propre mère était manipulée par un esprit qui ne voulait pas la réussite de ses enfants, qui a vendu mon âme dans le monde. Il voulait des choix, mais pas avoir. Mais aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu parce que à travers son prophète, et son fils, il utilise et peut être délivré de cette situation.
Et ce qui était comme un hasard aujourd'hui est tout pour. Et j'ai béni le nom de Dieu parce que ma mère aussi a été délivrée de cette sorcellerie. Que Dieu soit béni. Un conseil que j'ai à vous donner. Quel que soit le problème que vous traversez, ne vous éloignez pas de Dieu. Parce que Dieu, il est amour, il est merveilleux. Et quel que soit le problème que vous traversez, cherchez toujours la source de vos problèmes. Et cherchez à résoudre ça. Ne fuyez pas le problème. Ce n'est pas la solution, la vie. Parce que la solution, c'est pour Jésus. Elle était victime d'une sorcellerie. Donc, elle utilisait pour. Non, pas victime, elle était sorcière. Elle était sorcière. Elle tuait. Il y a une dame qui est expert en baoulé, elle est là. Elle est là. On ne croit pas mieux Jésus du monde. Merci le Seigneur. Praise the Lord. Mais elle était un moment. Elle était sorcière. Elle était sorcière. Elle gâtait tous les enfants de son, ses entrailles. En elle, aujourd'hui, quand sa fille avait mal aux yeux, et puis elle est arrivée ici. Le prophète l'a désignée sorcière. L'argent était fini avec elle. Elle est repartie. Je explique en fait de l'argent parce que pourquoi vous interprétez ça mal. Elle dit l'argent était fini. C'est-à-dire elle est au fin de son séjour. Parce que la prise en charge, la nourriture, il y a tout ça. Donc elle a dit ok, comme je suis sorcière, effectivement, je m'en vais me préparer pour un long séjour. Oui, j'éclaire ça. She went back. La vie du vieux face au témoignage. Baba, elle remercie le prophète Trasso pour qu'il prie véritablement pour lui, pour que les enfants qui restent avec lui, puisque madame a tout fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que Dieu bénisse. C'est une œuvre de Dieu. Sans rancœur, pas de rancœur. Mais je vais arriver au village pour faire notre travail. Tu as choisi d'aller dans la vérité pour continuer la vérité. Que Dieu te bénisse. Recevez la paix de Dieu sur vous. Amen. Yeah. Ok. La vieille fait l'offrande. Ok. C'est intéressant de voir un sorcier délivré. Ayant les bruits. Quand il dit t'es sorcier, on dit ok. T'as Dieu, non? Article 11. Ici, j'en ai un article. C'est les Judas ici. C'est quand tu es sorti. C'est quand le sorcier te prend, tu accompagnes ses cueils. Bon, nous autres, nous ne croyons pas à ces pratiques. Nous sauvons la vie des gens. Que tu sois sorcier ou pas, on veut que le Seigneur te touche et qu'il te délivre. Sans preuve ou non, il est délivré. Je bénis le nom du Seigneur. J'étais sorcière. Je m'appelle Oye Isabelle. J'étais sorcière. Je détruisais la vie de tout le monde. Je détruis la vie de beaucoup d'hommes. De mes noms, ma maman, ma tante. Vraiment, je me transforme en plusieurs animaux. Pour détruire la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, à présent que je suis arrêté ici, je bénis le nom du Seigneur Jésus de m'avoir délivré de la sorcellerie. Je bénis le prophète Rasso pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis soit le nom d'Israël pour tous ces prophètes qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. J'ai donné ma délivrance au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Dans ma langue, ça c'est chanter embêté. Là-bas aussi, ça dit il est grand, il est puissant. Mappez-vous, c'est ce monde-là, donc sur cette terre, il n'y a pas plus puissant que l'Éternel. Il est Dieu, il est puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Toutes ces grâces-là. Donc, il ne faut pas accuser Dieu quand tu es dans une situation. Tout le monde est hérité de cette malédiction. C'est ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. C'est ça qu'on dit, le péché adamique. Et la Bible nous révèle ça dans Romains. Que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu, privés des bénédictions de Dieu. Amen. Heureusement que nous retrouvons tout ça dans le Seigneur. Hopefully that we have it in the Lord. Amen.
Amen. Ce sera pour que ce matin Dieu te donne la femme de ta vie. That's why God must give you the woman of your life. Un homme qui va te protéger. Un homme qui va te protéger. A man who can protect you. Il va désarmer ta bouche. Disarm your mouth. Parce que c'est très important. Because it's really important. Le désarmement. Faut pas que ça soit à moitié. Disarming. Cacher les pistolets dans ma mâchoire. Faut enlever tout ça. Amen. Amen. Et qui va t'aimer, te protéger. To love you, protect you. Tu vas pas regarder seulement aux parents, non. Parce que la belle amoureuse, il y a pas maman et papa dedans. C'est les hommes mieux qui se marient. Because why people? Personne ne peut intervenir dedans. Appelle l'amour là, c'est bête. Because love is. Amen. Mais quand on se base sur le principe d'amour, Dieu nous bénit. Il y a plus de son d'amour. Je parle d'amour agapé, un amour sans intérêt. J'aime cette personne parce que je sens que c'est elle qui me faut. Il a l'argent. He get money or not. Mais l'argent aussi c'est important. The money is important. Si la femme des gens n'avait pas les manger, garde pas seulement. Tu peux aller manger. Amen. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse maintenant. Nous allons entrer dans la révélation de la parole. Let's enter in the revelation this morning. Il faut que Dieu nous bénisse. God must bless us. Le pasteur va lire la parole de Dieu. Pastor is going to read. C'est un culte. Word. It's a service. Écoutons la parole de Dieu. Let's hear God's word. Si quelqu'un commence à dormir, faut dire sorcier, libère-toi. Mais c'est un sorcier qui peut te faire dormir. Si on est quelque part où on dit ce matin le prophète va vous donner 100 000, 100 000, tu as donné. Tu vas attaquer l'esprit du sommeil en prière. Donne l'esprit du sommeil, hey, laisse-moi. Ne va être contre moi. On sait plus que 100 000, amen. Le sommeil, mais quand même, tu as dit l'esprit du sommeil. Je sais que tu as un esprit. Sors de mon corps. Écoutons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Alléluia, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Il le terrassa et lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Se saisit de son épée. Il se saisit de son épée. Il tira du fourreau. Le tua. Et lui coupa la tête. Les Philistins. Voyant que leur héros était mort. Prit la fuite. Alléluia. Quand la base de la sorcellerie est détruite, toute la confrérie se met en fuite. Quand Goliath est tombé, tête tranchée, ils ont tous fui. Allons-y. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. Ils ont commencé à pousser des shouts. Et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et pillèrent leur camp. Le camp de qui? Les Philistins. Très bien. Pillèrent leur camp. C'est-à-dire, nous allons rentrer dans leur camp. Ce que nous avons volé là, nous allons reprendre ça ce matin. Il pilla leur camp. Parce qu'il devait gagner là, il devait piller le camp de son ami. Donc, quand ils ont combattu, ils sont partis, ils sont allés piller leur camp. On ne laisse pas, hein? On ne laisse pas. Allons-y. Vous allez comprendre, c'est un message textuel ce matin. Allons-y. David prit la tête du Philistin. Très bien. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Alléluia. Et la porta à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est la cité du roi. Sa Jérusalem, se trouve le palais. Sa Jérusalem, que se trouve le trône royal. Sa Jérusalem, se trouve toute la richesse. Il a pris la tête du roi, le Philistin, le Goliath, il l'a envoyé à Jérusalem. Écoutez la parole de Dieu.
Et il mit dans sa tente but he put in his armor les armes du Philistin. And his tent. Lorsque Saül avait vu David marcher David go out against the à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, he said to Abner, chef de l'armée, the commander of the army, de qui ce jeune homme est-il fils? Alléluia! Il y a plein de révélations. Abner répondit, Abner said, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, okay, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour auprès après avoir tué le Philistin, Abner le prit Abner took him et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu? Es-tu fils, jeune homme? Young man. Et David répondit, David answered, la tête, quand David a pris, il avait gardé la tête, il a montré ça à qui? À Saül. He showed his hair. Okay. Il a dit les questions que Saül a commencé à poser. The questions. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Whose son are you? Et David répondit, and David answered, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Jesse, Bethlehemite. Chapitre 18. Chapter 7, 18. David avait achevé de parler à Saül. Speaking to Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée. Alléluia! Alléluia! Quand David a parlé, l'âme de Jonathan aima David. Of Jonathan was et David était l'héritier du roi, le prince. Quand prend son âme, il va faire passation de service pour dire désormais, c'est toi qui as la royauté. Seigneur, merci, bénis-nous ce matin. Alléluia. Regardez dans ce passage. C'est ce qu'on appelle un message textuel. Nous allons de pas à pas. Dans le message ici, on dit David avait une fronde. Et c'est avec cette fronde-là qu'il a fait tomber le géant Goliath. Et les pierres sélectionnées. And the stones, les a puisés, ce qu'on appelle le torrent. From the world. Et nous avons bien expliqué que le torrent, c'est la parole. Parce que l'eau est la parole de Dieu. Water is il s'est basé sur les principes de la parole pour affronter Goliath. Amen. Alléluia. Vous savez que la parole de Dieu, quand on arrive avec nos ennemis, la Bible déclare que Jean, Esaïe 54, verset 17, tout homme forgé contre toi sera sans effet, ils te feront la guerre. Jérémie chapitre 1, le verset 19, ils ne te vaincront pas quand je serai avec toi, pour te délivrer au rat de l'éternel. Amen. Et quand il finit de tuer Goliath, c'est ça qu'il faut viser la barre de la société. Regardez un peu le système pour lequel nous travaillons. Quand la maman a été épinglée, mais toute situation s'est réglée dans la famille. All the situation was regulated in the family. Le papa qui était lié est délivré. Was tired, was le fils qui n'allait plus à l'école est délivré. The la situation des gens est délivrée. David a mis la tête de Goliath. Ce qui nous intéresse dans ce combat, c'est la tête de la sorcellerie. Ceux qui sont à la tête pilotent ce mouvement de la sorcellerie. Une fois qu'on a tel réseau, celui qui a la tête du réseau. C'est fini. Pourquoi les corps habillés, c'est le chef des gangs qui les intéresse. Parce qu'une fois que vous l'avez pris, c'est fini. Et c'est ce que David a fait. Il a touché la tête. Et quand il est tombé, faites-le rassurer qu'il est vraiment mort. Il va trancher sa tête. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que tu tranches la tête. You must cut it. Il faut que tu tranches la tête de Goliath. Il must tear. Amen. Pourquoi David avait tranché sa tête? Mais on ne sait jamais. Why did David? Comment can you pay tuer quelqu'un? How can stone kill someone? C'est vrai qu'il est tombé. It's true. Mais tu peux reprendre lui. Hold down. Bon, je suis pour que je touche. Oh! Trancher la tête de Goliath. Cutting off the head of Goliath. C'est tout symbolique. It's probably symbolic. Amen. Amen. C'est détruire le regard. It's to destroy. Parce que les yeux. Quand la tête est tranchée, les yeux n'ont plus de vie, n'est-ce pas? Donc quand vous attaquez la tête de Goliath, vous détruisez le regard de la sorcellerie contre votre vie. Dis amen. Détruis la tête,
destroy it. Parce que les sorciers les regardent comme ça. Quand tu rencontres quelqu'un, ça se gâte. Il y a un projet, ça n'aboutit pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui destroy it, doesn't help it come true. Donc quand la tête Goliath est détruite, les yeux, les regards, il y avait les yeux sur la tête. Because we have destroyed. Ça détruit le système de radar. Les sorciers voient. La sorcière c'est une secte. Où cacher? You hide. Ils ont fini ça. Où tu vas te cacher là? Where you hide yourself? Ils sont dans ta maison, j'en ai mis radar. They can be in your house. Que tu as voyagé. With some detectors in your house. Même te dit mais ta destination, ils connaissent ton, ils savent ce que tu as. They know. Ils savent tout ça. About your feeling, they know everything. C'est pour ça qu'il faut que la tête soit brisée. That's why the head must be destroyed. Parce qu'une fois c'est brisé, le radar est brisé, le radar. Une fois c'est brisé, tu prospères. Parce que quand on le lèche toi. Il serait difficile. Tu dois avancer. Quand tu touches quelque chose, quand il touche quelque chose, broken. Et non seulement sur la tête. Not only. Il y avait les oreilles. Oh, l'oreille nous amène à entendre des choses. We can hear from the ears. On a écouté une soeur, une fille parler. J'envoie un malheur pour espionner. A rose. Mais son dieu, non malheur, quand il fait la tête comme ça, il se le tout bien. Ils ont un réseau d'espionnage. Un soir, sorcier, il va toujours mettre quelqu'un dans la maison, dans la famille, ou dans la maison où tu es pour contrôler ta maison, pour servir d'informations. Il va te donner toutes les informations. À partir des informations, commence à travailler. Donc, quand l'oreille était sur la tête, quand la tête est tranchée, ça veut dire que c'est fini. Ils n'ont plus d'informations sur toi. Dis amen. Ils n'ont plus d'informations sur toi. Ils n'ont plus d'entendre. C'est parce qu'ils entendent encore les choses. Ils savent que tu vas te marier. Donc, ça les dérange. Mais les choses vont les supprendre. Donc, quand la tête est tranchée, so les choses commencent à supprendre la sorcellerie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici un élément de sorcier. Here is an element of sorcery. Le sorcier veut dire lanceur de sort, n'est-ce pas? The sorcerer means someone who donc, la bouche meurt. So, mais c'est dans la bouche que le sort sort. Because le sorcier t'a pas maudit. Il dit j'ai pris son habit et j'ai dit il doit faire l'accident. Et l'accident. Donc accident. Quand David a tranché la tête, il a fermé la bouche. C'est cela que ce matin j'ai déclaré de la bouche de mon sorcier soit fermée. Que tu fermes la bouche de ton sorcier. Qui ferme la bouche de ton sorcier. Close your sorcerer's mouth. Alléluia. Amen. Alors. La tête, je trouve le cerveau. The head, on the head, we have the brain. Symbole, le système, la pensée. System. Parce que le diable pense toujours comment. Il croit. Vous savez, le diable croit notre avenir. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas des accidents biologiques. We know that. Nous devons l'avenir. Et c'est ce qu'ils détruisent. And they destroy. Amen. Donc, le cerveau, c'est la stratégie. Is the strategy. Le système. The system. Qui met en place. But they settle. De détruire. To destroy. Donc quand la tête a été détruite, the head is cut, le cerveau est mort. The brain is le dead. Cerveau qui fonctionnait, the brain is what functioning is now dead. Amen. Amen. Ce qui est intéressant encore sur le corps, interesting si here, la tête, everybody, on the head, le nez, nose, de respirer, n'est-ce pas? The brain, symbole de vie, n'est-ce pas? Symbol of life. Ça dit c'est fini. Donc on est convaincu que Saül est David et Goliath est Goliath is dead. N'est-ce pas? Tous les systèmes s'arrêtent. Il faut que le système, of, le mécanisme, amen, des regards, the sight, qui, l'information, information, la bouche qui maudit pas, the mouth, the le système de réflexion. Parce que quand ils jouent, ils manigancent d'autres choses contre toi. They try many things against you. Il faut que tout cela soit détruit. Everything must be destroyed. Amen. Amen. Mais David ne s'est pas arrêté. But David did not stop like that. Il a pris la tête. He took the head. Amen. Amen. Ce qui l'intéressait, what interested him, c'est Jérusalem. Was Jerusalem. Amen. Dis à quelqu'un, ta destinée c'est Jérusalem. Your destiny is Jerusalem. Jerusalem. Dieu veut te voir Jérusalem. God would like to see you in Jerusalem. Alléluia. Amen. Amen. David allait présenter la tête. He to introduce the head de Goliath. Of Goliath. À Saül. To Saul. Jésus rencontre un jour 10 lépreux. Met
Il dit, allez vous présenter devant le principal sacrificateur. Or, la lèpre là, ça détruisait la main des lépreux. La sorcellerie a détruit ta main. Qui fait qu'aujourd'hui, si tu as l'argent, ça ne marche pas. Tout ce qui tourne dans ta main. In your hand, Phil. Tous tes projets sont à avorter. Il a pris la tête. He took the head. Il a envoyé son roi. And he brought it Amen. To the king. Quand David a envoyé When David la brought, tête, les choses ont changé. Things have changed. Les choses, dis à quelqu'un, les choses ont changé. So to your neighbor, things have changed. Amen. Amen. Le roi cherchait à savoir, il était de quelle famille. Quand Goliath est vivé, tu changes la destinée de ta famille. Amen. Dieu change l'histoire de ta famille. Dieu change l'histoire de ta famille.